Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stonehearth en multi avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. Et on se retrouve donc eh bien, pour notre nouvel épisode, hein, donc toujours avec la structure mystérieuse de Katox ici. Non, on se demande, seulement j'imagine que ça doit être des escaliers, les deux trucs au bout là. Ouais, est-ce qu'on puisse passer d'un côté à l'autre quand même. Et parce qu'en plus tu fais un mur d'une épaisseur quoi, c'est pas genre juste un mur quoi, c'est vraiment... Faut pas le faire à moitié. Pas qu'il y ait quelqu'un qui reste coincé dedans. Ah oui, c'est un tunnel parce que ça va dans le truc. Putain, la vache, que nous prépare-t-il? Je ne sais pas, le suspense est total pour moi aussi, donc... C'est insoutenable. Insoutenable, tout à fait. nous allons voir. Et donc du coup, on a Weird Le Cake qui nous a rejoint, qui est donc Glouton. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt une d'ailleurs. Hein. Mais Weird Le Cake, c'est masculin et féminin. Qui est Glouton. Et qui du coup est en fait notre meilleur Earthling, hein. Il voulait un débile ou un glouton, et du coup on avait soit l'un soit l'autre, et du coup il a demandé un glouton, donc du coup bah, au final c'est notre meilleur Earthling 5-5-5. Donc bienvenue Weird. Hop, on est reparti. En l'occurrence, Weird, on pourra le qualifier comme quelqu'un de non-binaire. Hein ? En même temps homme, en même temps femme. Voilà. C'est ça. C'est vrai que ou alors non, ça... aucun des deux. On ne sait pas, c'est... Cela reste confidentiel. Bon, en même temps, on a eu Damny et on a eu Benika, donc voilà. On a tout. On est ouvert à la variété. Faut bien avouer que ce sont les femmes les plus talentueuses dans cette ville. Hein. Non, c'est pas vrai, on a tout. Je charrie. Du coup, on a 4 soldats donc qui sont candidats à éventuellement passer archer un jour. Si on arrive à avoir des foutus archers un jour. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est content dans cette ville et ça, c'est cool. Alors, daily update. Ah, on l'a raté de peu, mais on l'a raté cette fois, malheureusement. Alors, on a un mec qui est arrivé avec des trucs de grande qualité. Ah oui, des chaises ornées et tout quoi, ça commence à plus rigoler. Et du coup, ce qu'on va acheter, nous, c'est du bois. Le mec, il a des chaises ultra haut de gamme et on achète du bois, hein, normal. Vous voulez des chaises Louis XVI, c'est en cuir véritable, renforcé, rembourré à la aux plumes d'oie sauvage. Ah non, juste la bûche là, si vous voulez. La bûche derrière, ce sera très bien, merci. Ah, on a The Bunker. Ouais, mais The Bunker, on va le vendre parce qu'il donne un sacré malus de valeur, The Bunker. Donc il dégage The Bunker. En plus, il coûte une blinde, ça c'est cool. Alors, j'ai vu qu'on avait du coup de quoi faire un deuxième clair. On va donc de ce pas récupérer. Il est où ? Kestra. Et Kestra, tu vas devenir. Cléric, c'est parti. Alors je sais pas ce que tu foutais à miner, mais du coup tu vas arrêter de miner, du coup, de fait. Hein. Un peu autre chose à foutre. On peut ramasser ça. Il y a des trucs à looter à droite à gauche. Hein. Faut pas oublier de faire ça de temps en temps. D'ailleurs, on n'a pas des machins qu'on popait. Ouh, on a plein de petits Varanus là. Ici. Même sur les dessus des collines, il y en a plein. Si tu regardes la colline qui est à moitié à l'ombre, t'as deux géants de pierre. Sur le dessus, t'as des petits gobelins. Des gobelins. Où ça? Non mais ils sont arrivés du côté de méchant, du coup ils vont se faire défoncer. Mais c'est du gobelin de base quoi. Je sais pas trop ce qu'ils foutent là. Ils sont passés par ton tunnel, donc il devait y avoir un camp quelque part. Je pense qu'ils ont popé. J'ai pas eu de camp, peut-être. Il venait par là en tout cas, mais ouais, je vois pas de camp non plus. Ah si, bah si, il y a un petit camp tout là-bas. Moi j'ai vu un géant là-bas. Ça tombe bien parce que je dois entraîner un nouveau soldat. Ça lui fera de l'expérience. Il y a aussi un camp sur une colline, mais ils sont coincés. Du coup, je vais envoyer mes soldats s'occuper de ça. Ah merde. Enfin, il est coincé. Ça, il est coincé. Ah bah c'est la fête. Ah non, ça c'est toi qui a engagé le truc. Ah bah je fais pas le coffre. Bon, t'es idiot. Allez. Bon, ouais. Oh.
c'était pour ça, c'est vrai, je comprends. Ça y est, vous avez terminé les gars, parfait. Alors, goûtez-moi ce bois, parce que le bois c'est toujours intéressant dans notre cas. Où est-ce qu'ils vont là? Qu'est-ce que vous foutez? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ok, très très bien. Alors maintenant, quoi d'autre? Pourquoi il se termine pas ce bâtiment là? C'est quoi le problème? Est-ce que vous foutriez pas un peu de moi? Ouais. D'accord. Quel est le fuck? Pourquoi tu ne fais pas ça? Ah oui, d'accord, ok. Allez. Foutez-moi ça devant là. Voilà. Il nous faut un nouveau herbaliste. Est-ce qu'on a quelqu'un qui kifferait d'être herbaliste? Toi t'es courageux, ouais, toi c'est pas mal. Toi c'est empathique, c'est ce truc là. Empathique, c'est pas mal empathique pour un herbaliste, je pense. Allez Reina, tu seras herbaliste. C'est parti. C'est un peu le drame quand même, tous les trucs qui traînent partout dans cette ville, par terre. Ouais, il faut laisser un petit peu de temps pour qu'il ramasse, ou en laisser un en ramasseur, comme ça il fait le tour. Ouais, je pense que c'est exact. Ouais, j'en ai plus que 3 à ramasser. Ah non, j'en ai complètement pas plus que 3, c'est juste qu'il fait nimp. Bah écoute, toi tu seras ramasseur, parce que tu bosses la nuit en plus, donc y a pas de raison. Voilà, le maître des ordures. C'est ça. Toi, tu seras éboueur. Merci cordialement. Oui, j'ai fait les échelles là, mais en fait, ils peuvent pas y accéder à cet endroit. C'est très cool. Allez, avant les gars, faites-moi des échelles par ici. D'ailleurs, vous allez miner même juste là, ça sera aussi bien. Ça prend de la place. Démerdez-vous, mais accédez-y. C'est tout ce que j'ai à dire. Démerdez-vous, mais faites-le, c'est tout. Je m'en fous comment vous faites. Ce n'est pas une option. C'est du cuivre, ça. Ouais, c'est du cuivre. Ah, regarde, ici, notre veine d'étain arrive doucement à expiration. Hein. Il est temps de renouveler la chose. Et bah voilà, du coup, vous allez me dégager ça parce qu'en fait, c'est moche et ça sert à rien. Hop. Ah, mais ils ont réussi à trouver une zone de minage que j'avais laissée là, sérieux? Ah oui, d'accord, très très bien. C'est un véritable piège. Ah ouais, non mais c'est la fête quoi. Ça y est, il est coincé. GG, j'ai pas d'autres mots, c'est proprement époustouflant. Allez, construisez-moi une échelle là, puis cassez-vous. La mine de l'enfer comme disent les viewers quoi. Jusqu'au bout elle reste quoi. Est-ce qu'ils peuvent atteindre cet endroit? Oui, ils peuvent atteindre cet endroit, ça suffit un peu de faire chier. Ok, bon, mis à part ça, notre Weaver, est-ce qu'il arrive à taffer? Oui, parfait. Je sais pas où il a trouvé ses bundles of fiber. Ah si, j'ai demandé de ramasser des trucs sur la carte, je crois. Un mec qui passe qui vend de la poterie, bah du coup tu tombes mal. Parce qu'il se trouve que nous aussi on vend de la poterie en fait. Bon, je sais pas ce qu'ils foutent mes maçons, mais ils font pas de travail exceptionnel, c'est un peu chiant. Or j'aimerais bien qu'ils en fassent.
Daily Update. Ah, oh, encore raté, sérieux. Ouais, sur la fin, dès que tu dépasses les 24, ça commence à vraiment atteindre des chiffres assez hallucinants. Alors, on a des gens qui veulent des légumes. Du coup, on leur donne des légumes. Et on gagne 4 énergies toniques. Parfait. Ouais, ouais, c'est un peu nimble, je dois avouer. Lui, on va lui demander de faire 20 potions, histoire qu'il monte de niveau un peu. Et puis, 20 graines de cactus. D'ailleurs, faut qu'on change le lit, du coup. Il est où, mon herbaliste? C'est lui, mon herbaliste, ouais, c'est lui. Herbaliste, tu es où? Voilà, c'est ton lit maintenant. Le Weaver, est-ce qu'il a fait son taf? Oui, du coup, qu'est-ce qui manque pour cette maison? Un loom. Bah, what the fuck. Pourquoi t'as pas fait de loom? T'es con? Je ne comprends pas. Bah si, il y a un loom. Mouais. On dirait qu'il y a un petit bug. Tant pis. On va faire comme si c'était pas grave. Ils veulent pas terminer la maison parce qu'ils ont pas de loom, sauf qu'il y a un loom dans mon inventaire. Ah si, voilà, c'est juste le temps qui se pointe. Très très bien. Ok. On a donc un bâtiment supplémentaire. Et ça, c'est cool. Hop. Donc là, notre gros bâtiment, il avance bien, mine de rien. Hein. C'est pas mal. Ah mais oui, mais tu voulais des briques au fait, toi. Tu continues d'oublier. Oh, mon poteur a fini par... Ça y est, t'en es tiré. Bon, ben, désolé, ouais. j'ai complètement zappé. Là, il est en train de spammer les lits, parce que je me suis rendu compte que dans ma création, j'ai mis des lits qui sont exceptionnels. Donc du coup, je suis obligé d'avoir des lits exceptionnels. Ah oui. Tu peux pas dire n'importe quelle qualité dedans? Non. Non, une fois que c'est placé, en fait, c'est obligé d'être celui-là. Ah, ouais. Là, t'as un potier en haut. Là, t'as plein de urnes. En bas, c'est juste du dortoir en bas. Ouais. Tiré. Mais en haut, ce que t'as, c'est en gros, t'as un stockage et en face, t'as tous les. T'as potier, weaver et maçon. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, il y avait tous les trucs. Quoi. Ah, c'est pas mal. Avec des petits tapis en plus. Enfin, des mosaïques là. Enfin, joli. Ouais, c'est sympa. Hop. Des invadeurs, c'est pour toi cette fois. Hop, je t'envoie la cavalerie. C'est parti. Il n'y a pas l'air d'avoir de renfort derrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça. Ah oui, complètement. Très très bien. Arrête de courir, tu vas mourir de toute façon. De toute façon, tu vas mourir. Ah bah tiens. Ah voilà. Ils en profitent pour arriver de l'autre côté. Heureusement qu'il y a un système de route. Hop là, merde, ils vont monter taper sur l'autre con. Hein. Ah, t'as décidé de maintenant tu fais plus de mine, tu rases ce qui traîne. Ah oui, moi je rase tout ce qui traîne maintenant, c'est bon. Bon, replie-toi, machin. Le coup de tête quoi. Vas-y, replie-toi. Ah putain, même en se repliant, il va pas réussir. Ah la vache. Le drame quoi. Voilà, tatane qui lui aime. Ouais, il continue. Alors tiens, il va vers la porte le golem là. Alors est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il toi, va tu faire veux, tu restes sur le golem, moi je vais prendre les 4 petits en dessous du coup. Ok. Comme ça ils évitent de trop se promener en ville. Ça me va. Ah, il tape sur la porte. Et enfin, il a arrêté de taper sur la porte. Ah bah voilà, il fait le tour. Bah, du coup, de fait quoi. On a deux clairs, le golem s'enfuit, ça devrait être bientôt géré. Parfait. On va taper sur ces cons d'archers maintenant. Ouais, dès que les,
Les archers, dès que t'arrives à les avoir au corps à corps, c'est bon, c'est plié. Pour vite quoi, c'est ça qui est un peu relou. Ouais. Par contre, il me faut de l'équipement pour mes knights parce qu'ils devraient pas se faire autant défoncer quoi. Ouais, ils sont aussi bas level, hein. C'est parce qu'ils, là pour l'instant ils prennent l'aggro, mais. Ouais, c'est un peu gênant. Tant que mon forgeron sera pas un peu plus avancé, malheureusement. Ouais, ça ils peuvent même pas le prendre, c'est abusé. Même les bronze breastplates ils peuvent pas quoi. Je crois que c'est mon Weaver, il peut faire des trucs pour eux. Non? Ah non. Attends, le mieux qu'on peut faire, c'est direct une full plate mail. Il me semblait qu'il y avait des trucs intermédiaires quand même. Non, il y a un truc intermédiaire normalement. Je le vois pas. Ouais. Les boucliers, non. Ça non. Ah non, c'est vrai, c'est directement une full plate mail. Ouais, puis après c'est le silver mail. Ouais. Ouais, c'est la violence. Faut un level 5 pour commencer. Puis c'est marrant, il me semblait que c'est... Ah ouais, mais ça joue peut-être aussi le... La faction, le niveau des trucs, parce que... Et ça c'est pareil, ils étaient censés le faire, mais j'ai l'impression qu'ils se galèrent, on va l'annuler. Il doit y avoir un bug. Ah, je peux pas l'annuler. D'accord, ok. Si, ça y est. Ouais, ok, là le jeu en chie un peu là, hein. Clairement. Ouais, bah. Il y a pas mal de choses. Attends, je vais repasser en vitesse 1, 2 secondes si possible. Parce que mes brasiers là ils flashent. C'est assez moche. Ah, peut-être parce qu'ils s'éteignent. Ouais, mais je crois qu'ils étaient en train de s'éteindre alors qu'en fait, c'est pas chez moi, c'est toujours la nuit. Comme ça, c'est normal, ils s'éteignent toujours un petit peu. Enfin, c'était une nuit noire quoi. Ah oui, effectivement, alors voilà. Ok, c'est reparti. On va peut-être laisser un petit peu de temps libre pour qu'ils permettent de ramasser toute la terre. C'est peut-être ça aussi qui galère un petit peu. Ouais. Et aussi ramasser tous les trucs de... du terrain de chasse. Ouais, j'en ai deux qui font que ça, ramasser, mais... Pourquoi t'es pas content, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais c'est parce que t'es en train de récupérer, d'accord. Oui, t'es le naze qui a été blessé, c'est ça que t'es en train de me dire, en fait. On va en allouer un deuxième, du coup, à ramasser, parce que ça me paraît plutôt utile. Bon, après, c'est cool d'avoir des blessés, hein, ça fait que, du coup, le médic, il s'entraîne un peu. Faut des blessés pour opérer. C'est ça. Ok, on a une nouvelle personne et on est officiellement 26. T'avais pas mis 26 de limite? Non, je vais laisser à 40. Donc, je vais dire tant que ça tient. Bah tiens, bah y a un nouveau worker là, il aime bien porter des trucs. Tu tombes bien, mec. Tu tombes bien, tu ne feras que ça. Tu vas porter du coup, voilà, c'est ça. On a deux mineurs, deux mecs qui font que porter, le reste ça build. Parce que ouais, il y a de quoi porter quoi. D'ailleurs, il me faudra vraiment faut que je pose des coffres pour stocker des trucs parce que c'est un peu le drame tout ce qui traîne par terre. Hein. Du coffre. Ici, on va mettre des coffres ici. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Hop. Hop, coffre, parce que pourquoi pas.
Je peux... Ah non, toujours pas. Oh. Je pensais pouvoir enfin faire du... Allez, des... Planter des arbres. Ben non, toujours pas. J'ai commencé à en planter, donc si jamais il y a besoin... Parce que, bah, une fois que tu commences à en planter, il y en a plein partout. Bah, je suis en train de me dire que je vais peut-être en planter un petit peu plus, quoi. Parce que c'est vrai que mine de rien, j'ai fait deux zones. Bon, ça commence à faire un gros pack d'armées quand même, hein, notre paille. Hein. C'est plutôt cool. On commence à avoir du stuff pour se défendre. Il y a de quoi équiper du soldat, mais niveau knight c'est un peu léger encore. Bon, par contre ils remplissent les coffres et ça c'est cool. Herbalist level 2, très très bien. On en est où avec notre maçon? Ok, il fait des trucs. C'est cool si tu pouvais nous faire des trucs comme ça aussi. Weaver level 4, parfait. Qu'est-ce que tu débloques? Rien de très ouf hein, en fait. Malheureusement. Et par contre d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va leur demander d'enlever ça. Puisque maintenant on a ce qu'il faut. Ça c'est trop bas, on va le monter d'un cran, voilà. Alors qu'est-ce que ça donne ce bâtiment là? Ah, il y a tout ce qu'il faut. C'est très classe, il y a tout ce qu'il faut, il faut juste qu'ils finissent du coup. J'ai presque envie de dire qu'un deuxième ce serait pas trop hein. Ah c'est ça. Parce qu'on est quand même bien nombreux. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Une autre cuisine c'est pas forcément utile. Des forges c'est pas non plus très très utile pour l'instant. Enfin, on a déjà ce qu'il faut quoi. Ouais bah non, on va faire un nouveau truc dont j'ai oublié le nom, voilà, Desert Lodge. C'est parti. Est-ce qu'on peut l'aligner tant qu'à faire, ce sera un peu plus joli. C'est pas dans ce sens là que j'ai mis, dans l'autre. Voilà. C'est parti. Bon, on va manquer de bois, bien entendu. Ah ouais, d'accord, tu fais des douves, en fait. Un petit canal, j'avais envie. Je voulais voir si ça fonctionnait. Et... Classe, classe. Le petit canal. J'espère juste que j'ai pas mindé le jeu et que et que le lac va pas, que je vais pas emplir la map de flotte. Ah oui, tu récupères l'eau du... Putain, c'est vrai que c'est sympa, ouais. Le sphinx qui pleure, là. Vous pouvez voir, récupère la flotte. Et c'est parti pour l'emmener jusqu'au lac. C'est vrai que si le lac déborde, on est un peu dans la merde, après. Je pense qu'ils ont dû coder le truc comme quoi si tu tentais de remplir un espace défini, ça se remplit jusqu'au moment où ça déborde pas quoi. Ouais. T'as un niveau d'eau et puis c'est tout. Écoute, on va bientôt le savoir. Au pire, j'ai deux blocs à placer et ça tout se terminera quoi. Ah ben voilà, ils ont officiellement tout terminé. Alors, on a l'étrange visiteur qui nous a déposé des sugarbells ici, ce qui est parfait.
On va aller les poser à côté de la cuisine. Je propose. Hop, t'as pas eu toi les lapins encore ? Si, mais là je suis en attente de la suite, mais ça prend un peu de temps. Je ne me presse pas. Ça viendra. Oh putain, ça lag par contre là, la vache. J'essaie de déplacer les sugarbells, c'est un peu le drame. Oh le mec il vend du cuir ! Mais viens ! Mais donne-moi du cuir. Rejoins-moi. Je te vends tout ce que tu veux. Je te vends tout ce que tu veux, mais contre du cuir, y'a aucun problème quoi. Mes coffres, mes urnes, mes brasiers, pas de ma dignité. Hop. Le magnifique drapeau d'Ogo, moi je vais peut-être le garder des fois qu'il sert à quelque chose. Ouais. On va acheter de la peau d'ours. Ça entraînera le Weaver. Enfin, ça coûte cher hein, le cuir, hein. Vache. C'est la violence. Bon, bah du coup pour l'instant ça suffira. On n'a pas assez de nourriture, vous déconnez les gens. On n'a pas assez de bouffe. Quel est le fuck? On va peut-être devoir faire une deuxième cuisine du coup. En attendant, j'étais en train de bouger ces foutus sugarbells là. Oh, attends, non, je vais mettre pause parce que c'est le temps de les bouger, excuse-moi, mais c'est pas possible. Vas-y. Ça, en vitesse 2 comme ça, c'est ingérable. Ça... Le truc il avance par à-coups quoi, ça ressemble à rien. Effectivement, il t'a droppé tout un petit carré. Ouais, c'est le deuxième niveau. Hop là. Je vais les poser à côté de ma cuisine, ça fera joli. Fini. Alors je profite pour faire mes affaires avec un marchand. Après si tu connais une astuce pour déplacer des objets, tous les objets d'un coup. Non, ça me collait pas. C'est marrant d'ailleurs les cigarmels parce que quand je clique dessus il me dit que la valeur de beauté là est de 5 et ça se met à jour juste derrière pour dire qu'en fait c'est 10. Bah peut-être il y a peut-être une différence entre pour valoriser le fait que tu les as déplacés quoi. Peut-être ouais. Ok, c'est reparti. Alors du coup ce qu'on avait besoin c'est une deuxième cuisine. Enfin il nous faudrait peut-être un deuxième fourneau surtout. La bouffe. Si on pourrait le caser comme ça, ça marcherait. Oh, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça lag un peu, mais ça passerait. Ah oh, putain. Ça devient tendu. Hein. Bon, on va le mettre là. Hein, on va dire que voilà. C'est parti. En avant, les mecs. Fais-moi ça. En attendant, il nous faut une deuxième cuillère. C'est le maçon qui fait ça, je crois. Le maçon, il va nous faire une cook spoon. Allez, fais-nous une cook spoon, s'il te plaît. Bon, les forgerons ils en sont. Ah putain, on peut faire une scie. On peut faire une scie, les gens. La modernité. Victoire, c'est presque le but du let's play. C'est ça. Avoir un charpentier du désert, tu sais. Et faire une scie.
réussir à faire une chie avec les charpentiers, quoi. On va couper du cactus. C'est cadeau. Ça lag tellement que j'ai un mec qui dort. Hein. Je vois les zzz, mais je vois pas le mec. Il est dans le sol, quoi. Je pense qu'il doit même plus être là. Ça doit être une rémanence graphique. Un reste. Un reste, c'est ça. Bon bah du coup on est parti pour terminer ce bâtiment hein. Tranquillement. Ici ils ont tout ramassé mais mais pourquoi vous bougez pas? Vous êtes pas bloqué vous quand même? Vous foutez pas de ma gueule hein. Bah non vous êtes pas bloqué. Ah mais c'est qu'il n'y a plus rien à miner peut-être. Vous êtes les mineurs, c'est ça que vous me dites. Vous avez miné ici? Ah oui vous avez miné ici. Tant pour moi. Bah écoutez, qu'est-ce que vous diriez de raser cette montagne, hein? Par exemple. Oula. C'est un gros truc. Ah oui, il y a du peuple. Je t'envoie la troupe. C'est bon, c'est envoyé, tu peux enlever quand tu veux. De toute façon, on s'arrêtera sur ce fight, je pense. Ça va, bon. Ah, ils ont bouclier, épée et tout, ça commence à être... Là, c'est quoi ça piquer Ouais. Ah, et puis il y a deux clairs. Alors, je vais viser les clairs. Comme la dernière fois. Hop. Deux clairs, ça peut quand même faire durer le combat. Ah, t'as fait des knights toi aussi, j'avais pas vu. Ouais, j'en ai fait un. J'ai pas pu faire plus encore. La troupe qui arrive et qui charge les clairs, quoi. En avant! Focus le healer! Yeah. C'est ça, focus le heal! On se croirait dans un goulet dans World of Warcraft quoi. Débuff! Trouver le healer et le focus. Ah oui! Prismerigol et Footman level 4! Attention quoi! Petite prise de niveau. Ah mais healer ils ont tellement rien à foutre qu'ils vont taper avec leur tome encore. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est pas de ouais, ça veut dire qu'on gère bien. Attends, tes mecs en mail, ils sont classe quand même, faut avouer. Moi j'ai encore des types qui ont des bonnets de laine. Ah, la musique de combat qui se met en route un peu la masse. Mais bon, toujours mieux que rien. Ça vaut mieux tard que jamais. Et on a un knight level 3, parfait. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Hop, on va couper ces arbres, comme ça ce sera fait, c'est plus propre. Et du coup bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se termine sur le succès d'avoir réussi à faire une scie quoi. Donc le prochain épisode, eh ben, il faudra qu'on définisse un charpentier, donc si quelqu'un veut être charpentier n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà un perso et que bah, vous êtes déjà quelque chose, je vous remets la liste, hein. Vous pourrez mettre pause et regarder. Et bien si vous avez déjà un perso et que vous avez déjà un job, bah bien sûr ceux qui n'ont pas de job seront prioritaires. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire hein, qui veut être charpentier. Et du coup bah, on se retrouve très bientôt. Merci à toutes et à tous, merci Katox. Salut.